Yo yo yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, on est parti pour un Gartiphone. Direct, vous me dites, tu es une dessinatrice, mais ça va pas. Non, non, mais je dessine avec la souris et ça va être très compliqué, je pense, ça va être dégueulasse. Bon, on va aller retrouver les cocos. Bonjour, c'est juste pour l'argent. Bonjour. Salut Raz. Bonjour. On est beaucoup, mais c'est le plaisir aussi, les Avengers, ça commence, bordel. Non, si, allez, vous voulez que je fasse un point règle? Vas-y, oui, vas-y. Ouais, vas-y. Bon, on n'écrit pas, hein, c'est un jeu de dessin. Donc d'abord, t'as le droit d'écrire dans le champ dans lequel tu dois écrire une phrase, une première proposition. Attends, tu dis on n'écrit pas et tu dis faut écrire. Laissez Usul. Mettons, on va commencer par tous écrire une phrase. Je vais prendre le même exemple que j'ai pris dans le chat. Mais on écrit où? Il avait dit qu'on pouvait pas écrire. Dans le jeu. Oh là, bah ouais, démerdez-vous. Ah non, l'explication. L'explication. C'est Usul parler. Usul. Mais non, mais moi je veux bien expliquer, mais... Allez, let's go. D'abord, vous allez devoir rentrer une phrase. Et ensuite, hop, fin du timer, son dessin est fini, ça passe au suivant. Le suivant reçoit ce dessin. Usul robot. Ouais, oui. Il lag de ouf. Usul, t'es devenu un robot, donc malheureusement, tu ne peux pas expliquer les règles. Explique les règles du jeu. Moi je veux bien expliquer, je suis très pédagogue. Pantouf, il explique bien, Pantouf, moi je suis d'accord. Robot. Quand la partie va commencer, vous allez devoir tous écrire une phrase. Oh, voilà. Tocard. Ouais. Ah, c'est bien expliqué. Non, mais attends. Ah, je comprends mieux que quand c'est Usul. Voilà. La partie commence, vous allez devoir écrire une phrase, n'importe laquelle, un truc rigolo. Et une fois que vous avez fini cette phrase, le jeu va commencer. Et là, chacun notre tour, on va tous recevoir une phrase de quelqu'un d'autre, on va devoir l'illustrer. Se fera tout seul, vous comprendrez, parce que vous allez recevoir un dessin, vous savez pas ce que c'est. Et alors, en gros, t'interprètes le dessin et tu essayes de trouver à partir du dessin la phrase que c'était, c'est ça. Et à chaque fois, ça passe de l'un à l'autre. Ça déforme. Est-ce que je crée le lien ou pas? Crée le lien, Moufette. Je propose que le lien soit créé, que la création du lien soit rapide. Je veux jouer. Créer le lien, Moufette. Bon, est-ce qu'on peut jouer un jour ou... Oui, c'est bon, moi je suis prêt. C'est qui je suis gentil? Je crois que j'ai peut-être leak. Oh non, non, non. Ok, bien joué. Voilà. Maintenant, faut lancer. Faut lancer. On vite. Est d'accord. Appuie que toutes normal. Les autres personnes... Vite, normal, vite. Oui, ça y est, 3, okay. 2, à la 1. Jouer à la souris. Là, faut choisir n'importe quoi comme et phrase. Et vous avez un temps imparti en haut à droite pour inventer une phrase rigolote. C'est très dur, vous auriez dû réfléchir avant. Allez, c'est parti. Vous devez dessiner le mot que vous avez. Quoi? Ça se joue à la souris. J'ai envie de crever. Qui a écrit ça, putain, cette merde. Alors la personne qui a eu cette idée, vraiment, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, oh là, là merde. Non, je vais jamais y arriver, c'est insupportable. Là, je vais être le Mintos du groupe, oh là là. Elle marche pas, la tienne aussi? Non, elle marche pas. Ah bah vous faites à la souris comme tout le monde, hein, les artistes, là. Bon, mais moi, je pense que c'est bon, hein. Je suis un génie. Les couleurs sont parfaites. Désolé, hein. Oula, okay, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Okay. Allô? En prison, ouais, c'est ça. C'est un carte. Attends, je crois que c'est ça. Vos batteurs, tu... Je pense que c'est de la faute des gens avec qui je joue qui sont trop médiocres. Ah merde, j'ai oublié de me mute, pardon. Je fais comme ça. Et comment je représente la Normandie? Je vais faire une vache. Le Mont-Saint-Michel. Ah, c'est photographe. Si vous me laissez pas gagner, je dis des trucs de ouf. Hein. Il y a rien à gagner, hein. Ah bon? Bah non. Ça c'est un peu nul qu'il n'y a rien à gagner. Hein. Quoi? Est-ce qu'on a le droit de faire du porno en fait là en dessin? Je me pose la question. Mais insupportable. T'es en stream? Non, fais pas ça en stream. Tu vas te faire ban. Bon après, bon, on va dire que ça va être des petits bonhommes, mais c'est pas grave. Oh, maintenant, ça se verra pas trop. Et si je suis nul, vous me virez pas, hein, vous me gardez. Hein. Tu es valide et légitime, tout va bien se passer. La caution racisée, donc. Exactement. Exactement, on ne peut pas te virer, Wissam. Sinon, après, tu peux nous cancel, tu peux faire un trade. Je pense qu'on a essayé de dessiner Dany. Hein. Si vous faites un zizi, le détaillez pas trop, ça passe. Pas de veine. On note, le détail de la bite s'arrête à la veine. En vrai, faut pas écrire des phrases à rallonge, faut pas faire ça. Non, mais les gens s'en foutent, en fait, c'est vraiment jeu fait en mode gauchiste, même de gauche, quoi. Faut toujours aller dans la précision la plus ultime, quoi. Simple, simple. Mais non, mais on fait des threads. Artistes. Mais je sais. En plus, je sais même pas à quoi ressemblent ces gens que vous citez dans vos phrases. C'est voilà, c'est ma vie en gauchisme, quoi. Il y a du favoritisme dans les attributions de FIAC. Ah ouais. Il y a des plus jolis culs que le mien qui ont été dessinés. Quoi? What? Allô? Pardon. Allô? On joue au même jeu là? Qu'est-ce qui se passe, Cassandre? On a dit on dessine Cassandre, pas de porno. On a dit. Cassandre, il a fait que du cul. Hein. C'est horrible. Mettez des LGBT dans un vocal qui dessine des trucs, ça finit tout de suite n'importe comment. Vraiment la décadence. Moi, je suis désolé. Hein. Oh là là. On peut plus rire. Hein. Allô. C'est trop bien dessiné. C'est trop bien. Bien dessiné. Mais moi j'ai que les trucs mal dessinés, moi. Pourquoi moi j'ai les trucs moches? Vous avez l'air d'être là. Ah, c'est trop bien dessiné. Moi on ne comprend pas. T'as pas eu un seul bon dessin, Raz? Si, y en a eu un peu sympa avec un canard et des roseaux, c'est. Ah, ça c'est moi. Ça doit être moi ça. Non, c'est moi. Oh, l'album, les gens, l'album, let's go! Crie pas. Faut faire quoi là? Je comprends pas. Démarrer? Il faut attendre. Non. C'est l'inverse de Manuel, tu comprends bien? Pour
C'est horrible. Mais fermez-la! Comme personne. Alors là, et vous allez attendre si longtemps, vous m'avez donné le lead, vous ne connaissez pas mon esprit de contradiction en fait. Vous êtes complètement fou. Ça existe pas. Il y a des milliards de personnes qui attendent Raz. Des milliards de personnes. C'est le Raz. Ah non mais. Oh. Vous allez attendre si longtemps! Allez, à bas! Oula! Ouais, c'est déjà, super ouais. idée. Je ne suis pas tombé sur ça. Ah. C'est joli, hein. Oh. Voilà. Oh! Ok, c'est bon. Non mais c'est bien fait, c'était reconnaissable. Mais on comprend, il y a les concepts. Ouais, là c'est magnifique là. Il y a du concept, là pour l'instant c'est ouais. clean. Alors. Oh voilà, mais Usul, regardez comment il s'est fait muscler là. Mais non mais Usul, mais regardez, il s'est fait, il pèse 110 kilos là. Il prend plus là. Il manque un bout du dessin, mon fait. J'ai essayé. Oh mon dieu. C'est ça l'histoire de cul, putain. Le fiac d'Usul. C'était ça le fiac. Le fiac d'Usul, franchement, un bon boulard. Hein. Usul qui squatte avec la terre sur le dos. Mais c'est une barre, c'est un truc pour squatter quoi. C'est des poids soulevés. C'est les poids que tu mets sur tes épaules. Usul qui porte la terre telle Sisyphe. Oh là là là. Phrase de Ban Wampan, un tube de dentifrice fait du skate, mais c'est nul à chier. Non mais Ban Wampan, idée d'écolo, hein, vraiment les écologistes. Hein. Votre cerveau, carence en B12. Hein. Attention pour mon dessin. Il a écrit. C'est joli. Ouais, c'est il a écrit Colgate. Ça va. Hein. Non, j'ai écrit Colgate. Il a écrit. Un tube de dentifrice en long. Oui, bah j'ai pas eu le temps de tout écrire en fait. Tu voulais écrire en longboard. Oui, je voulais écrire en longboard. Du coup, moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit, moi. Bah c'est normal, j'ai pas eu le temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai juste fait un tube de dentifrice, quoi. Je me suis dit, bon, bah. Ça, c'est à cause de Léo, hein. C'est lui qui a tout niqué, hein. Moi, je tiens à le dire. J'ai pas tout niqué, j'ai manqué de temps. Oh là là. Un mec trop heureux. Il est trop heureux, il est pas heureux, il pleure là. Crone, pourquoi tu l'as fait en train de pleurer? Parce que moi, je pleure quand je suis trop heureuse. Crone, ça s'appelle la dépression, en fait. Un vegan en pleure parce qu'il mange de la viande. Eh oui, ça. Tu vois, bah, on pense, c'est devenu anti-écolo ton truc, hein. Voilà le vrai. Avis des décoloniaux sur les vegans. Usuliflex. Hein. Bah, j'ai besoin de plus de temps pour faire des vrais trucs stylés. Ouais. Un vegan crack et se fait une entrecôte. Couleur verte, bro. Comme voilà. T'es vegan, quoi. Ah, c'est pas mal, Eva. Hein. Trop bien. Oh. Ah, moi j'aurais pas capté la couleur verte. Hein. Ah, c'est devenu une végétarienne qui râle. Hein. Vous remarquerez la misophilie de Yukaino. Hein. Mais la vie la... Mais je suis végétarienne. Qui dénonce, hein. Mais je suis végétarienne en plus. Tu es validé légitime. Non, c'est une personne concernée. Elle a le droit. Ah, mais les gars, là, je suis désolé, j'ai fait une catastrophe. Quoi ça? Ah mais c'était ça! Quoi? Mais c'était ça! J'ai paniqué! Seulement c'est moche, mais il y a des trucs écrits quoi. Mais quoi, c'est un chat avec 300? Je sais, j'ai écrit avec culpabilité, mais j'avais pas le choix. C'est quoi la merde en bas à droite? Un chat avec 3 couilles, on est d'accord qu'il y a un chat avec 3 couilles. Qui a un museau couille. Attends, bon, on pense, c'est quoi le truc rouge? Pourquoi c'est Fillon? C'est quoi le truc rouge? Cravate? Moi j'ai vu la cravate rouge, j'ai cru que c'était Jean-Luc. Non. Ah ouais, bah oui, une cravate. Cravate rouge. On est sans Jean-Luc, hein. Vraiment. Oh, quel enfer. Mais attends, mais Crone, pourquoi tu fais que... C'est tout le temps triste. Triste le chat. C'est très triste. Oui, il est triste le chat. Parce qu'il se fait gueuler dessus. On dirait Trump et les gens sont toujours tristes. Oui, je sais pas, je trouve pas la couleur pour mettre les bons cheveux. Je sais pas. Les éoliennes, c'est pas bon pour les chats. Et après, ça se moque de mes chats. Ça se moque du chat que j'ai dessiné. Hein. Super. Ça tue des oiseaux, par contre, il paraît. Ouais. Waouh. Ouais. Wow. Donc les écolos cancel à nouveau. Hein. Ok. Les techniciens aussi qui réparent. Ok, d'accord, tu ruines le mood. Ah, super. Wow. C'est hyper violent, mon fait. Waouh. Waouh, je suis choqué par contre. C'est devenu hyper violent. Un bonhomme segmenté par une éolienne. Elle est ratée ta queue en tourbillon, Daniel. Je suis désolé. Hein. Ah, c'est gore. Mario président 2027. Waouh. Après, mais oui, pas mal, hein. Bien synthétisé, hein. Mario, président de la France, tiens, champignon. Après, les présidents, ils portent pas d'écharpe, c'est des députés. Ouais, hein. Et en plus, là, j'ai même envie de dire, c'est une écharpe qui est portée comme un truc municipal. On dirait un schtroumpf, là, le Mario. Pourquoi? Pourquoi Mario, il présente le cul, là? Tout le monde a un bon boule aujourd'hui. Tout le monde a un bon boule ici. Qu'est-ce que c'est que ce Mario? La vision raciste de Wissam. Le racisme anti-italien. C'est l'Assemblée. C'est l'hémicycle. Il a raison. Il y a que des blancs. Il y a que des blancs. Il y a que des politiques. Ça dénonce. Oh là. On dirait une grosse merde. Mario, c'est un peu Hitler en vrai. La couche. Moi, j'aurais dit au moins Mussolini, un truc comme ça. C'est vrai que Mario et le fascisme sont italiens. Mario mange un croissant. Mais Léo, t'as vu un croissant où, Léo? J'ai paniqué. Bon, Mario est très Mario. Je suis désolé. Mario avec un croissant, voilà, tu vois. On reconnaît.
Ouais. Moi, tout de suite, ça marche. On n'a pas le droit d'écrire CGT, putain. Oh là là, Jules, t'es un légaliste, en fait. C'est ça, ton problème. Et bah, si ça te plaît autant, les lois, va manger un champignon devant l'Assemblée. Voilà, exactement. Et, voilà. Et en plus, il y en a... Voilà, c'est... Et après, tout le monde écrit CGT. Un croissant boomerang. Oh, allez, si. Jules embrassera. Waouh, 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 waouh. Dégueulasse. Tu nous as pas respecté, Léo. Non, mais après, les yeux sont très rasses, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Danny du passé embrasse Daffy Duck. Oh, oh, trop mignon. Ouais. Danny Duxa qui se maque un canard. Bah ouais, là, du coup, ça marche. Hein. Oh, mais putain, vous avez vraiment dessiné ça. Canard réfractaire aime Danny Duxa. Voilà, des efforts. Hein. Danny, là, par contre, blackface un peu. Hein. Bah, là, de toute façon, tu fais coupe au bol, ça y est, c'est Danny. Hein. Un canard admire le corps musclé de Danny Caligula. Oh, trop mignon, les petits yeux, magnifique. Bah, dites-moi, là-bas, c'était Usul embrasse Raz. Oui, ouais, c'est devenu ouais, Danny face à un canard. Vos voilà, obsessions voilà. Bizarres. Une crotte de nez jongle avec des figurines de Mélenchon. Pantouf, tu forces en fait. Il y a trop de choses dans ton idée là. Ouais. Il est bien fait. Le pire, c'est qu'il est bien fait. Oh non, non. Non, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Ça me paraît, j'ai honte. Ça va, la dimension problématique a été effacée par Wissam. Ouais, ouais. Bon, en pente, t'as tryhard sur celui-là. Les autres, tu t'en es battu les couilles, mais là, t'as tryhard. Hein. Je remarquerai ça. Hein. Voilà, c'est très clair. Hein. Ah, mais moi, j'avais pas compris. Pourquoi t'as mis du bleu ? Tu as fait les veines. Pourquoi t'as mis du bleu, en fait ? Tu as fait les veines, là, en fait. Les veines, pourquoi ? Tu as fait les veines sur la bite, on avait dit non. Mais non, je l'ai censuré ! Je l'ai censuré, c'est les mains, en plus. Oui, 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 bien sûr. Le bleu, ça m'a induit en erreur. Un tweetos branle un tweetos youtubeur GoPro. Oula ! Mais quoi, mais Léo ? Mais Léo, qu'est-ce que t'as fait là ? Mais t'as vu ce qu'on m'a demandé de faire ? Comment tu veux que je fasse ça en l'espace de 30 secondes ? Bah attends Léo. Ah mais non. Raz qui fait un exposé sur la Normandie. Mais c'est trop dur. Franchement, là, t'es obligé de deviner tout de suite là. Mais ouais. Raz qui parle toujours de la Normandie. Putain, c'est devenu ça tout de suite. C'est tout de suite méchant avec moi. Regardez ma réponse incroyable parce que j'étais en train de régler Discord. Et voilà, j'ai rien répondu. Désolé. Alors c'est le Mont-Saint-Michel, on a tous reconnu, j'ai arrêté de fumer des joints hein, par des orages. Imagine un champ du passé, imagine un champitub, moufette, mais c'est le Mont Saint-Michel. Qu'un château. Mais ça se voit que c'est le Mont Saint-Michel. Oh. Raz pense au château de Todd. Ouais, pour une fois, je suis resté tout du long. Sangoku, blond qui fume, Krone quand même, c'est moi évidemment. Cassandre, pas mal son Sangoku hein. Fume un pet et découvre le château de Mario, bah on est bien. Marx découvre les hot dogs. Mais ça va hein, franchement, moufette. Karl Marx mange un hot dog, j'avais pas New York par contre. Il est réaliste le Karl Marx. Là, franchement, là, il est réaliste. Oula, mais là, Karl Marx, il a perdu sa barbe. Il est dégueulasse. On dirait même plus un hot dog, gros. C'est quoi ce que tu lui as mis dans l'avant? Putain, franchement, ça, on va réussir à aller jusqu'à la fin, je crois. Karl Marx qui mange un hamburger. Ouais, c'est devenu un hamburger. Non. Mange un McDo. Éditorialiste chauve parle de l'islam. Après, Krone, efficace, hein. Ouais, ouais. Un hibou qui dit cuck. Oh non, t'es nul, bon, wampan. Un hibou qui est cuck. C'est devenu... J'ai honte du mien, j'ai honte du mien. Réponse à Internet, 100 millions de vues. Un hibou dans un nid filmé par Danny. Non mais se finit tout le temps avec des animaux là. Mani. Moi je connais pas ornithologue, je suis désolé, hein, je suis revenu au canard. Hein. Il est parfait, le cul à l'air, il est parfait. Balkany fait du kart en prison, mais vous êtes dans des concepts. Mais attends, c'est pas Balkany. Oui, Sam, on comprend rien. Marquera que le policier est blanc. Attends, mais Yukaino, comment t'as vu Tortue Ninja à cause du verre. Bah ouais, je comprends. Je me suis dit, Yukaino, elle a démissionné, elle a dit au pif Tortue Ninja, vas-y. La Leonardo, la tortue, saute un trou pour une pizza. Ah oui, il y a un trou, c'est le rond bizarre de Cassandre. C'est une épée, moi. Je me fais cette tortue. Ah, mais oui, Mélenchon. Tortue Méluche des fables de La Fontaine. Ah, oh, c'est beau, un peu poète. Bon, attention, on pense. Attention, bon, on pense. Attention. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi une éolienne? Mais oui, ce monstre. Mais pour savoir que c'est lui, ouais, je mets une éolienne. Je sais là, pas dessiner. Je sais pas dessiner les hydroliennes en fait. Faites des bagues. Alors ça, nul à chier. Moi, je suis désolé. J'avais pas d'idée. Papa si triste, nul à chier. Attendez, mais j'ai pas du tout eu ça par contre. Bah oui, mais c'est trop dur. Papa si triste, mais c'est pas drôle parce que déjà papa si tôt, c'est chiant à faire d'une heure. Papa si triste. Non mais ce qui va être marrant, c'est qu'il va changer d'identité à chaque dessin. Ah ouais, Blanquer a été viré et pleure. Valérie Giscard d'Estaing. Oh, Bubuche, ton Giscard est réussi, je trouve. Quoi, mais ça se voit que c'est pas Chirac, mais non. Alors attends, Chirac qui pleure, mais ça ressemble pas à Chirac. Ah, la pomme, si, manger des pommes. Ouais. Cambadélis, oui, il ressemble à Cambadélis. Moi, j'ai eu un mec qui tient une pomme. Minimaliste. Mais oui, Sam. Mec qui tient une pomme. Mais comment t'as fait, Krone? Ah non, non, c'est le chat qui l'a spoil, j'en suis.
suis sûr. Ah non, 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 je, non, je te jure. Non, moi, je vois une pomme, je pense à Chirac. Comment un chien met un pantalon? Ah, l'Ukraine. Ah, oh putain. Un âne chien chie sur l'Arc de Triomphe en mode Ukraine. La sœur de l'Ukraine, mais c'était pas assez. Après, moi, je trouve, il a bien compris, Pantouf. Un cheval ukrainien chie sur l'Arc de Triomphe. Un cheval ukré qui fait caca sur l'Elysée. Mais c'est pas sur l'Elysée. C'était presque ça. Oh. Un chien ukrainien chie sur un trottoir français. Notre trottoir français, monsieur. Saccage. Un chien ukrainien fait caca à Paris, saccage Paris. Et bah voilà. C'est ça l'Ukraine, d'accord. Bah quoi? C'est des frites. Attends, c'est quoi ce drapeau? C'est le drapeau de Paris. Fait caca à Paris. Putain, mais vous connaissez pas le drapeau de Paris? Le drapeau français, c'est les couleurs de Paris qui entourent les couleurs du roi. Putain, vas-y, bref. Vous... Un chien non, qui chie des frites. Il vient de la Tour Eiffel. Chie des frites. Des frites qu'il a dans le corps là. Moi, je pense que c'était son. Mais c'est l'Ukraine, c'est pas des frites. D'accord. Ça se joue. À... Non mais Wissam, Wissam il est dans la méta là. Pas un chat. Mais non mais c'est grave. Tu croyais que c'était le chat Wissam pour de vrai? Attends, je veux savoir Wissam, t'as trollé? Attends. Ou tu croyais que c'était le chat? Non, c'était la PC. Question. C'était la question. C'est au début. Ouais. Bah, un joueur PC. Oh. Un joueur PC, il a un t-shirt The Event. Ah ok, ouais, on le voit vachement bien le t-shirt The Event, ouais. Oui, bah pardon, Raz. Robin des Bois et Napoléon, filmé par une petite personne. Alors, Eva a eu la petite personne. Le choix pour ce Raz là, c'était soit Shaggy de Scooby-Doo, soit. C'était quoi? Robin des Bois. Non mais je vois le chapeau de Napoléon au-dessus, je vois le truc. Léo. Mais je sais pas dessiner, putain, je fais des vidéos, pas du dessin. Un noir réalise un film sur Napoléon. Moi j'ai rien compris. Hein. Merci les amis. Donc, c'était très sympa. Ouais, pas trop souvent. Plus jamais, genre. Ouais, non, mais il est bien ce jeu, je sais pas, c'était et marrant. Qu'est-ce que ça m'a prouvé, c'est à quel point Antoine Daniel et compagnie sont d'excellents streamers à côté de nous. Parce que eux, c'est drôle quand ils font ça. C'est Dani, il aime trop être dans rigole. La salle. Oh là là. Ah mais ok, vous êtes on est des génies, bravo. Félicitations. Non mais super, t'es un joy killer mec. Non mais ce genre de jeu, c'est nous qui rions en jouant et ça fait rire les gens qui regardent par. Mais oui. Mais faut pas le dire, il y a les gens qui nous écoutent. Ah, il y a Abba d'accord qui dit c'était très drôle sauf Dany. Voilà. Les gens disent c'était drôle mais un peu trop gauchiste. Moi je suis d'accord avec eux. Voilà, moi je suis d'accord. En même temps les LGBT n'ont fait que des blagues sur les LGBT et Wissam n'a fait que des blagues sur l'Algérie. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas vrai, il a subi les blagues sur l'Algérie. En vrai, je crois qu'on a plus forcé sur l'Algérie que Wissam. Oui. Moi, je vais vous laisser. Il y a un problème de son, donc je vous laisse. Hein. Ouais, moi, il y a un problème avec vous, donc je vous laisse aussi. Salut. Bye, salut. Allez, salut. Bye. Bisous.